Le 23 mai 2014, de 15h30 à 17h30, dans la ville de Liège, au centre-ville, dans le cadre de Nuit Blanche contre Liste Noire, coordonnée et initiée, organisée par la cible ASBL, les énergies créatives de la ville de Liège se sont réunies afin de constituer un spectacle différent de ce qu'on a pu voir dans les rues de la ville auparavant. Ce spectacle sera centré et centré autour d'une réflexion collective associée à une impulsion de jeunesse. Associé à une impulsion de jeunesse, c'est bien compliqué cette phrase, mais dire associé à aux idées jeunes. Jeunes, pourquoi? Parce que le spectacle s'est voulu fédérateur. On a essayé de fédérer plusieurs énergies, dont les artistes musiciens qui presteront leur spectacle, donc Carrefour Saint-Gilles, donc devant l'Infort Jeune. Place Cathédrale, rue Vinafdil, place Alembert, boulevard Saucy. Ces artistes musiciens vont prester ce spectacle-là dans ces places-là, à côté de jeunes qui ont travaillé, eux, et plutôt qui se sont rencontrés autour du thème de la démocratie, de la liberté, de la montée de l'extrême droite, des menaces qu'ils ressentent dans leur quotidien, et d'une société, de l'image de la société idéale, en tout cas, qu'ils ont voulu avoir. Ces spectacles musicaux vont se rejoindre pour une finale à 17h, place Xavier Nogent. Donc le spectacle, on voulait sensibiliser un peu le monsieur tout le monde, le passant. On a essayé un peu d'intégrer des lieux où on n'a pas souvent l'habitude de voir des musiciens jouer, avec donc une scénographie qui est faite par les Microfolies. Qui représente un message aussi que les scénographes ont voulu faire passer. Par rapport à quoi? Par rapport aux élections du 25 mai, par rapport aux menaces de l'extrême droite et la montée qui, moi, personnellement, m'affole quand je vois un peu tous les pays autour, comment ils sont passés, mais vite fait, d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite. Et d'ailleurs, on le vit dans quelques villes ici en Belgique. Justement, en prenant un exemple de quelques jeunes qui sont venus ici pour passer un week-end de formation au départ, puis de création en second lieu, qui venaient d'Anvers, où là, c'est une ville qui est tenue par la droite, et que eux, en se confrontant avec les jeunes d'ici, ont pu partager ces expériences sociétales, on va dire. Donc voilà, pour faire court, en tout cas, je vous attends nombreux pour partager cette réflexion-là autour de la musique et de l'art et de la parole des jeunes. Ce 23 mai, à 15h30, à partir de 15h30, dans le centre-ville de Liège. Nuit blanche contre liste noire. J'ai envie de dire... Nuit blanche contre les idées noires de ce monde ou de ce concept idéologique qui est la société d'aujourd'hui et qui permet ces injustices qu'on vit quotidiennement.